Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, donc je suis Fab Lover, coach de vie, et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur reprendre la confiance en soi. Donc vous voulez progresser, avancer, vous améliorer, tout simplement il va falloir que vous repreniez confiance en vous. Donc il va falloir vous rebooster avec certains outils. Il faut que vous mettez dans un état d'esprit positif. Si vous vous mettez tout de suite dans un état négatif, vous allez régresser, donc du coup vous allez perdre en confiance en vous. Si tous les jours avec certains outils vous vous dites je suis bien, je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais devenir la meilleure version de moi-même, etc., etc., vous allez avoir la banane, avoir le sourire en permanence, et du coup vous allez vous sortir et vous allez être d'un seul coup dans une énergie débordante, ce qui fait que toutes les personnes autour de vous vont vous voir comme ça. Et quand, franchement, quand tu sors dehors, comment tu vois les gens? Est-ce que tu les vois comme moi là, avec une énergie positive, qui ont la patate, qui ont un sourire, qui dit allez, allez, on y va, on va avancer, on va tout casser aujourd'hui et tout? Non, tu les vois pas comme ça les personnes. Tu les vois tout simplement comme ça. Ou alors avec leur téléphone. Et ils passent leur journée, leur vie à être négatifs, tout simplement. Donc, si tu veux avoir la banane, avoir confiance en toi, être positif dans la vie, avancer, agir, avoir une énergie débordante, rejoins-moi, je suis coach de vie, j'ai des formations individuelles pour t'améliorer objectivement dans tout sujet et tout. Et franchement, s'il y a certains objectifs que je ne peux pas accomplir, je te le dirai, car moi je suis dans un code de déontologie où je suis obligé de faire mes coachings de vie par rapport à mon savoir. S'il y a des choses que je ne sais pas, tout simplement, ou que je suis dans l'incapacité de le faire, je n'irai pas plus loin avec toi, je suis formel, donc directement je te le dis. Je voudrais savoir directement, puis comme ça, ça permettrait d'avancer sur notre coaching ensemble, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu te poses cette question, qu'est-ce que je veux vraiment? Tu la mets sur une feuille et tu me dis tes 5 qualités, tes 5 défauts. Paf, d'accord, c'est parti, on y va, je te rejoins, tu me rejoins tout de suite et c'est parti, on y va. Déjà d'une, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ton objectif formel, clair, explicite, tes 5 défauts, tes 5 qualités, et maintenant je t'attends. A tout de suite. Maintenant la balle est dans ton camp.